La différence entre le climat et la météo, elle est assez grande, parce que le climat, c'est une moyenne sur une trentaine d'années, et la météo, c'est le temps qu'il va faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc les moyens que l'on va utiliser pour comprendre le temps qu'il va faire sur les jours prochains et les moyens qu'on va utiliser pour calculer l'évolution du climat ne sont pas du tout la même. Les modèles numériques se ressembleront mais ne seront pas tout à fait identiques. Et lorsque l'on veut calculer le temps qu'il va faire dans les prochains jours, on va essayer de calculer l'ensemble des paramètres, non pas sur une longue période mais sur une très très courte période. On va regarder comment évolue, par exemple, la température sur une journée, ou alors que là, on la regardera sur une trentaine d'années. On va regarder l'évolution de cette température de manière très précise sur une journée, l'évolution du vent en direction, vitesse sur une journée, l'évolution des systèmes nuageux, l'évolution des précipitations sur de très, très courtes périodes. Et la prévision du temps, la météo de tous les jours, c'est justement d'essayer de voir comment vont évoluer sur un pas d'heure, en quelques heures, l'ensemble de ces paramètres météo, alors que le climat, c'est sur une durée de temps beaucoup plus longue.